Mesdames, Messieurs les officiers, donc je suis le collègue Galazini, commandant la base aérienne 123 d'Orléans-Boissy. Donc je souhaite la bienvenue à cette base aérienne. Aujourd'hui, vous avez la chance de pouvoir bénéficier aussi de la présentation du Rafale. Je voulais simplement vous dire que vous avez 547 élèves, avec 79 élèves internationaux, 24 nationalités représentées, 11 écoles, nos grandes écoles militaires. L'objectif du séminaire interarmées des grandes écoles militaires sont de trois ordres en fait. D'abord, permettre à tous ces élèves de se connaître, donc ce que j'appelle le brassage interarmée. Ensuite, on souhaite leur proposer un certain nombre de conférences, tables rondes, visites qui leur permettent de s'interroger sur le sens de leur engagement. Troisième objectif, eh bien, quel est l'outil de défense, voire la complexité du monde dans lequel ils vont évoluer. C'est l'organisation d'une journée comme ça pour vous, pour le CIGEM. C'est une grande chance que nous offre l'armée de l'air aujourd'hui, car ça permet de voir énormément de moyens, ils ont mis beaucoup de choses à notre disposition. Donc ça permet de voir des matériels qu'on retrouvera plus tard en opération, donc je pense au Rafale. Par exemple, c'est ou au Mirage 2000. Ça permet aussi de voir avec les autres armées ce qu'ils en pensent. Donc c'est vraiment instructif, même si on ne fait que voir. Là, on a une démonstration du Rafale. Ça permet de déjà voir avec quoi on sera amené à travailler plus tard. David, qu'est-ce que vous avez pensé à l'instant de ce Rafale sur le display ? Alors c'est vrai qu'à l'école de l'air on peut être habitué à voir des avions voler, notamment le Rafale sur le display qu'on a pu voir plusieurs fois. Je pense que c'est pas mal, ça permet de faire découvrir à tout le monde aujourd'hui, avec les sans-syriens, les marins, tout le monde un peu qui est réuni. Ça permet de faire une démonstration des matériels qu'on utilise en opération. Au travers du CIGEM de ce séminaire 11 écoles, c'est quand même instructif parce que ça permet de faire des échanges super super sympathiques quand même. Oui, exactement, ça permet de retrouver un peu toutes les écoles, d'échanger sur nos formations, sur les métiers qu'on va être amené à exercer plus tard. Et également revoir des camarades qu'on a pu côtoyer en prépa